Sergeant Sinso, move into exit. Pardon. Oh, attends! Rose, run! You trust me? Yes, I trust you! Woo, sautez! Yeah! Prendre! Là, je l'ai loupé. Merde. C'est pas compliqué, mais en fait, il faut pas lâcher la manette! Il faut pas lâcher la manette! Yes! You trust me? Yes! Attends, on fait comme ça! Oh! Yes! J'ai réussi! Wouhou! Ah ouais, bah écoute, du premier coup la deuxième fois. Bah, je suis dans l'hélico du coup. Incroyable. Oh! Oh, trop bien! Ah, et ça dégage! Oh! Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la découverte de la nouvelle saison et la nouvelle map du Battle Royale de Call of Duty Mobile! Mobile, oui, à chaque fois, je fais ce jeu de mots complètement pourri. Mais nous sommes là, nouvelle saison, deuxième anniversaire, et pour l'occasion, nouvelle map sur le Battle Royale, la map Blackout de Black Ops 4, qui est la première map Battle Royale qu'on a eue sur Call of Duty et qui est absolument géniale. Franchement, un grand merci à Call of Duty Mobile de la ressortir, parce que bah, pour toutes les personnes qui ont connu Blackout, savent que c'est une map qui est absolument géniale et qu'on aurait aimé qu'elle revienne ailleurs d'ailleurs. Donc Battle Royale, on est là sur la petite nouveauté, vétéran, on est là. Wouhou, Blackout! Ah, ça fait plaisir de voir ça. Avant d'y aller, on va voir un petit peu ce qu'il y a en termes de nouveautés. Alors déjà, nouvelle saison, nouveau pass de combat. Ouh, Captain Price. Ouh, il est sur Nuketown. Bah, Nuketown de Blackout. Oh là là. Ah, c'est stylé. Lui? Non, pas lui. Le traître. I hate you. Petite balle de snipe dans les deux yeux, non? La musique est forte, non? Mais c'est pas grave, c'est l'émotion, c'est la... Oh, vas-y, vas-y, Price! C'est une chose qui est bonne sur Call of Duty Mobile, c'est qu'on a énormément, énormément de contenu qui arrive chaque mois. C'est pas du genre, faut attendre 3 mois pour une nouvelle saison avec un pauvre truc. Chaque mois, il y a une nouvelle saison, chaque mois, il y a du bon contenu, chaque mois, il y a énormément de choses, et ça, c'est plutôt cool. On continue, voyons voir le pass de combat. Ok, continue, continue. Donc là, acheter le premium. On a quoi comme arme là exactement là? Déjà, c'est quoi ça? Ça, c'est la CR56 à max. Il y a même des variantes, c'est ça qui est cool sur le jeu. Tu peux même personnaliser genre les grenades. Des cils et ça. Petite variante sur le car 98. Ouh, yoy, yoy, yoy. Sur le multijoueur, on a ligne de front, match à mort, etc. À la une, du coup, on a le 10v10, à la guerre comme à la mer, caillou et épée, enragé, confirmé. Et des autres modes qui vont arriver, genre tir rapide et capture de drapeau. Les maps qu'on a dans le jeu, c'est incroyable. Monastère. Monastère, c'était pas une map de MW3, ça? Une map de DLC de MW3? Scrapyard 2019, Summit, Oasis, Nuketown, Crossfire, Crash. Et encore, il n'y a pas tout. Hein. Si je choisis un mode de jeu, on va dire match à mort. Acne Yard, Chipmunk, Shoot House, High Rise, Slums. Il y a tout, il y a tout, regarde, il y a toutes les maps. Il y a tous les classiques. Mais ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est d'aller sur la nouvelle map. Battle Royale. Allez, c'est parti, mon petit pote, sur la nouvelle map Blackout. Oh, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Rambo, are you ready? Eh, j'espère que le gars à côté de moi, c'est pas un clown, hein, il sait jouer. Hein. Attends, attends. Attends. Elle est où, la map, là? Oh, yo, yo, il y a tout, hein. Moi, j'aimais bien aller à Fine Ranch. Vas-y, go Fine Ranch. C'est parti. Fine Ranch. Qui n'a jamais joué à Blackout n'a pas connu une expérience de Call of Duty Battle Royale qui n'a rien à voir avec Warzone. Et le fait qu'ils te mettent la map Blackout sur Call of Duty Mobile, ça montre vraiment bien l'investissement qu'ils ont sur le jeu. C'est vraiment génial. De toute façon, il est à côté de moi automatiquement. Bon, c'est pas mal. C'est parfait. On va loot ici. C'est vrai que le petit village était pas si mal en fait. Ouh, les petits déploiements. Let's go. C'est parti. Et normalement, Fine Ranch, à ce que j'entends, il y a du monde. Voilà. Oula. Ok, l'arme elle bouge un petit peu. Hein. Ah bah non, hein, c'est. C'est pas les armes zéro recul. Attends, parce que là. Il veut pas mourir apparemment parce qu'il est parti se cacher. Attends, on peut mettre ça? Comme ça, je sais qu'il y a, bah, il y a juste le gars devant en fait. Merde, merde, merde. Ok, il est mort. Je sais pas ce que ça veut dire son pseudo, mais merci pour ton sac niveau 2.
qu'est-ce qu'il avait, cordite, etc. Lunettes de... On peut la récupérer pour après, éventuellement. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit snipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Augmente les PV. Bon, vas-y, on prend. Ça, c'est un sac niveau 2, j'ai déjà. Attends, super. Un petit viseur réflexe. Voilà. Ce sera un peu mieux que la mire, je pense. J'entends que ça tire. Yes, il y a un gars. Il y a un seul gars. Ah non, c'est mon truc qui a explosé. Ah, non, attends, je crois qu'il y a un deuxième gars qui est arrivé, non? Voilà, je voulais prendre le MK2, mais... Non, il est sorti. Petit. Il est parti où? Elle tue bien quand même, hein. Elle tue bien. Sac à dos niveau 2, ok, c'est tout ce qu'il y a. Ça fait plaisir d'être retourné sur la petite map de Blackout. J'aimais beaucoup, j'ai passé tellement de temps sur ce jeu. Qui est, bah, finalement le premier Battle Royale. Enfin, c'est pas vraiment le premier Battle Royale de Call of Duty. Puisque souvenez-vous que sur Call of Duty Mobile, on avait eu un Battle Royale. Je sais pas sur quel serveur il nous a donné, mais les blasts des ennemis, j'ai du mal à reconnaître l'origine. Mais, SKS... Ouais, j'ai envie de tester le petit MK2 quand même. Il y avait un Battle Royale qui était sorti sur le Call of Duty Mobile, qui les serveurs ont fermé d'ailleurs. Ah, il y a un gars là. Ah, non, j'ai touché le véhicule. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Attends, on va mettre une plaque encore. Ouh la vache! Oh ah, tes souhaits! Ouais! Ouais, attends, il est là. Je m'en sors. Oh putain, j'ai le téléphone qui sonne. Et on peut conduire ça, attends! Dis-moi qu'on peut la conduire. Oh! Oh, génial! Wouhou! Ah! Comment ça, l'eau, elle est... Mais... Oh, on peut pas conduire dans l'eau. Attends. Ouf. Ça, c'est l'intervention, ça, on est d'accord? On est d'accord qu'il y a quand même l'intervention dans le jeu, là. Non, mais, hé... Hey. Wow. Où ça? Eh, y a... Ok, il me l'a volé. Y'a le silencieux, mais tu sens que c'est le même bruit, hein. Tu l'entends que c'est le même bruit. Ils ont quand même réussi à faire un meilleur bruit de l'intervention qu'ils ont fait sur Infinite Warfare. Incroyable. Call of Duty Mobile, c'est quand même les boss, hein. Je sais pas où il est, mais je veux le kill. Je veux faire un trick shot à la fin. Ah, non. J'ai eu entendu... Wow, il... Attends. Youhou! Le mec, il nous a mis une frappe ou je rêve? Oh! Winner! Mission accomplie. Ça, il n'y avait pas trop de résistance sur cette première game. Mais en tout cas, retour sur Blackout, le top 1, ça fait plaisir. Et l'autre qui jouait là, The Deadly Viper, niveau 87 quand même. Hein. On va aller où là? On va aller à Red! Estate, un de mes spawns préférés. Let's go to Red. Est-ce qu'il y a du monde sur la map Red là? Oui. J'ai pas d'arme en fait. Allô? Une arme s'il vous plaît? Ah, voilà, merci. Non, me tire pas dessus. Tiens, mon nez qui gratte! Ouh, y'a un snipe! Oh yeah! Attends. Y'a un sac. Y'a une caisse là? Ah! Ok. Hey,
trim. Je te fais trimer, hein. Ouais, elle était facile, elle était facile. Attends, mais y'a quoi dedans? Ok, vas-y, let's go. Et vous tuez pas sans moi, s'il vous plaît. Attendez-moi que je vous tue. Il doit être en train de le loot, je pense, non? Où est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il est mort? Oh, plus une munition, merde. Ah! Bah, pas vu ou quoi? Attends. On va voir s'il n'y a pas des balles là. Et merde. Non mais attends, arrête. Viens pas vers moi, j'ai pas de balles. Putain merde, je suis dans la merde. Yes, c'est bon. Alors tu voulais faire le malin, hein? J'ai des balles maintenant. Hey, sauve-toi, personne va t'aider. Je suis quand même tombé au bon moment parce que j'avais plus de balles. Oh, y a l'hélico. Vas-y, on prend l'hélico. Y a des gens qui sont passés par là, mais je pense que c'est ceux que j'ai butés déjà. Je pense. De toute façon, je suis dans la zone. Oh là là, cette petite map, mec. Incroyable. Et ce petit sandwich fait du bien quand t'as faim. Il y a le airdrop. Oh, vas-y, go. Oh, merde. Je vais pas. On va prendre le airdrop. On va voir s'il y a des armes dedans. On va prendre l'hélico. Et j'ai le nez qui gratte. Comment je fais Il est où? Ah, il est là-haut. Airdrop incoming. Ah! Ah! Pas facile, hein. J'ai pas de nez qui gratte du tout. Pas facile, hein. Attends. Ah, bah attends, mais. One. 2, 3, suis ennemi. Vive l'Algérie! Hop là! Ok, bon, bah écoute. J'arrive. Ah, mais attends, il y a des armes ici là-haut. Genre un swap. What? Appareil incontrôlable. Mayday. On peut le faire. Mais pas longtemps alors, apparemment. On peut le faire mais pas longtemps. Ouais. Je pense que je suis arrivé au bon moment là. Viens là. Ce qui est bien, c'est que je connais la map par cœur. Je sais exactement. Oh putain. Il y a mis une puante. J'ai vu quelqu'un mourir devant moi. Qui l'a tué? Mais il est là. Ok. C'est toi qui as tué l'autre? C'est lui qui a tué le mort, tu penses ou pas? The revive flight will arrive in 1 minute. Oh damn! Bien. Waouh. Bon, au moins, le côté positif, c'est quoi? C'est qu'on a la map de Blackout, mais gratuite. Parce que Call of Duty Mobile, c'est gratos. Donc t'as juste à aller sur ton téléphone, ton iPad, puis tu le télécharges gratuitement. Et au moins t'as la map Blackout gratos. Et ça c'est beau. Airdrop incoming. Waouh.
Ouais, j'ai pas une grosse sensibilité, hein. Je pense que ça se voit, non? Bah, j'ai lancé en squad justement pour avoir moins de bots. Alors, il peut arriver qu'il y ait des bots. Ça, on va pas se le cacher. Mais tout le monde le sait. Mais c'est pas 100% quoi. Tu peux personnaliser les flashs et tout. C'est vraiment nice, ça. Ah. Merde, merde, merde. La zone. Ah bah. Ah bah, c'est fini. Winner! La zone qui me laisse à 6 HP, t'imagines? Ah bah, je loupais la balle, j'étais mort là. Je loupais la balle, j'étais mort parce que ouais, 6 HP, ouais, donc. Mais je meurs pas! Les gars, je m'appelle Sky Rambos! J'ai skin de Rambo, je ne peux pas mourir! Vous avez battu 35,2% des joueurs lors de la partie classée. Et t'as bien dit 32% des joueurs? Pas des bots, parce que techniquement, j'ai fait quoi, 15 kills, on est 100, donc ça fait pas 35%. Donc il dit bien, t'as fait 35% des joueurs. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette notion, quoi. Je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donnait la map. Je retournerai sur Call of Duty Mobile sur Blackout, mais avec Birdie et Mabzuel, ils m'ont dit qu'ils étaient motivés et qu'ils allaient acheter le câble, etc. pour pouvoir le streamer. Donc je pense que ça sera beaucoup plus intéressant de le faire également avec eux. Mais je voulais vraiment tester ça parce que voilà, les maps de Blackout, j'adore Blackout, Black Ops 4, ils te la mettent gratuitement sur Call of Duty Mobile. Et c'est ça qui est vraiment bien sur Call of Duty Mobile, c'est que bah, t'as tout ce contenu gratuit, t'as la nouvelle map de Blackout, t'as toutes les armes que tu kiffes de Call of, t'as toutes les maps que tu kiffes de Call of, et rien que pour ça, c'est plutôt bueno. C'est tout pour le test de la map Blackout de Battle Royale. Ça faisait plaisir. Hâte de tester avec Maps et Birdie, et on se retrouvera bientôt là-dessus, en tout cas pour de nouvelles aventures.